Bonjour les amis, encore pour une petite vidéo de la colle du type héraldite. Voilà, hein. J'en commande directement de chez nous. Et ils sont arrivés. Voilà, celui-là, c'est, il est un peu amoché, mais bon. Ça, c'est de la colle que moi j'achète. J'ai déjà essayé de la colle là. Je peux vous dire qu'elle est top. Rien à dire, la colle là. Ça, c'est rien à dire. J'en ai acheté ça. Je ne fais même pas 5-6 euros. J'ai plein de petits paquets là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. J'avais commandé 6 sur 7. Hein. Bon, j'ai déjà gaspé quelques-uns là. Et ça, c'est de la résine époxy. Ça marche très, très bien. Et c'est pas cher. Voilà. C'est impeccable. Hein. Voilà. Ça, c'est top. Petite commande sur AliExpress. Nickel. Il y avait déjà celui-là que j'avais déjà montré dans notre vidéo. Je ne l'ai pas encore essayé. Mais il faut que j'essaye ça. Cette colle-là en C4. Voilà. Une petite astuce que je vais vous dire ici, là, dans cette petite boîte en ferraille ou dans une autre petite boîte. Comment conserver de la colle rapide sans qu'elle sèche dans l'eau, ici, dans le tube. Pour pas avoir de la perte de la colle, hein. Voilà. Moi, c'est cette technique. Je la mets là-dedans et je ferme. Voilà. À l'abri de la lumière du jour et de l'air. Mais bon, de l'air dedans, il y a toujours, hein. Mais il faut la cacher de la lumière du jour. J'ai fait beaucoup d'essais. Pour moi, c'est la lumière du jour qui si on laisse la lumière du jour au machin qui a un peu de lumière, la colle elle vient sec. Moi, je la laisse là-dedans. J'ai trouvé cette astuce, je la laisse là-dedans et jamais, jamais, depuis que j'ai fait ça, j'ai jamais perdu un petit tube de colle rapide comme ça. C'est, on la prend, on la met dans un trou comme ça, hop, on ferme et on la met dans un tiroir, un trou comme ça et on perd jamais cette, la colle rapide. Voilà, c'est une petite astuce, les amis, que je vous donne. Allez, à la prochaine.